Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle ouverture du dimanche. J'en profite pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes petites ouvertures mystères de tous les dimanches. Ça me fait vraiment plaisir et du coup, pour aujourd'hui, j'en ai eu marre de l'ouverture la semaine dernière qui a été catastrophique, chaotique si vous l'avez pas vue. Allez la voir, je vais pas dire mais c'était une catastrophe. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura plus de chance. Pour ça, j'ai changé la thématique et les boosters puisque je n'ai pas pris des Mister Emily ni du Harry Potter. J'ai pris des petits boosters figural backclip avec le boss, Mickey. Je me suis dit que vu que c'était absolument pas son anniversaire, c'était grave l'occasion d'ouvrir des petits boosters de Mickey. Parce que oui, tout le monde connaît la date d'anniversaire de Mickey, qui est le 7 février. Attendez, je suis en train de tourner cette vidéo le 4. Je vous jure que c'est un plot twist incroyable ce qui vient de se passer là. Je pensais faire cette vidéo en mode, j'ouvre les boosters de Mickey, on va se donner une raison, genre c'est pas son anniversaire. Et je vous promets sur la vie de ma mère, je viens de checker sur internet et il est né le 7 février. C'est incroyable ce qui vient de se passer là, attendez, attendez. L'anniversaire de Mickey, 7 février 1942? Ah non, on retire tout les gars. Je viens de voir que je m'étais fait brain. En fait, le 7 février 1942, c'est l'anniversaire de Mickey, c'est un dessin animé qui est sorti le 7 février 1942. Mais Mickey, il est né le 18 novembre officiellement, voilà, je savais que c'était pas son anniversaire, j'ai l'impression de trahir un frère là, c'est dur pour moi. Quelle intro les amis, quelle intro, c'est n'importe quoi, j'ai cru que j'étais tombée au hasard sur un truc et tout se mélange dans ma tête. En fait, l'anniversaire du dessin animé, l'anniversaire de Mickey. Qui savait même que c'était sorti le 7 février 1942? Personne. Maintenant, vous êtes au courant. Bref, on a 5 petits boosters de Mickey à s'ouvrir. Cette intro, c'est n'importe quoi, elle est beaucoup trop longue. Mais c'est pas grave. On se retrouve du coup tout de suite avec les petits boosters. C'est parti. Donc, j'ai mis les petits boosters devant nous comme d'habitude et on va pouvoir découvrir la collection avec tous ces petits Mickey qui étaient sortis du coup à l'occasion de ses 90 ans le 18 novembre d'une certaine année puisque j'ai pas retenu l'année où Mickey a été créé. Mais bref, pour l'occasion Disney ils ont sorti des petits boosters comme ça avec que 10 Mickey qui représentent en fait l'évolution de Mickey à travers tous ses courts-métrages et les films dans lesquels il est apparu. Donc ça passe du Mickey à Steamboat en noir et blanc à tous les petits courts-métrages, vous les reconnaîtrez certainement, au Mickey là, actuel, un petit peu le classique Mickey. Mais du coup, voyons voir la collection complète. Alors moi, je vous avoue que je ne connais pas tous les courts-métrages de Mickey, mais je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui sont extrêmement chauds, donc dites-moi si vous les reconnaissez tous, sachant qu'il y a les noms en dessous, mais en anglais, donc ça va encore moins me parler que les noms en français, parce que parfois je peux connaître le nom, mais j'ai pas vu le court-métrage en question, bref. C'est pas grave, du coup je vais vous dire quand même ceux que j'aime bien à leur tronche, à leur petit déguisement, puisque finalement ils ont tous la même tronche. Mais il a des petits costumes différents le Mickey, et il y en a que je trouve plus ou moins mignons, et on a toujours les deux secrètes, qui ont l'air bien sympas là, hein. Je crois reconnaître un petit Mickey Fantasia, ça serait bien cool parce que là il n'y est pas et on voit le petit chapeau. Et celui-là j'avoue que je sais pas, il ressemble beaucoup au Mickey du petit tailleur là, avec la plume qui dépasse du chapeau, mais c'est pas lui puisqu'il est là, bref c'est pas grave. Sinon on peut avoir le petit Mickey en Steamboat, bon celui-ci je vais pas vous cacher, j'aimerais beaucoup l'avoir puisque c'est le classique, c'est le first one, le Mickey emblématique. Si on pouvait l'avoir, je serais contente. Sinon, on a Mickey Ringmaster ici. Alors j'ai peut-être vu, hein, mais je me souviens plus de ce court-métrage. Il a un petit chapeau rouge et une tenue de cirque, on dirait, je sais pas, il a un calfouette bleu. On verra si on l'a. Lui, il me parle beaucoup, là, le drum major Mickey, donc c'est avec des batteries, genre il gère la batterie, drum. C'est comme ça que je le traduis à peu près. En tout cas, son costume me parle, il est marrant, donc why not. Celebrity Mickey, ça ne me dit absolument rien, il est en noir et blanc, donc sûrement un très très vieux court-métrage. Mickey le vieux petit tailleur là, ça me parle, ça je l'ai vu déjà, donc ça me ferait plaisir de l'avoir là, je trouve qu'il a un petit chapeau qui ressemble à Peter Pan, il est mignon. Ensuite le Mickey classique, bah c'est le boss, c'est celui qu'on veut absolument avoir parce que c'est le Mickey classique, je le need. Regardez-moi sa tête là, il est trop mignon, c'est le seul qui a une tête penchée, il est trop chou. Je veux, le Mickey classique je le veux absolument, donc on croise les doigts. Sinon on a un Nifty Mickey. Ok. Bob Cratchit Mickey. Oh là là, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Il est trop bizarre celui-là. Et l'autre là, ça me parle un petit peu, c'est Band Leader Mickey. Ah oui, ça doit me parler. Ils ont fait une bande avec Dingo et Donald où ils font de la musique, non? Il y a un délire comme ça, il y a un délire. Bon, ils se ressemblent sensiblement tous, à part le classique Mickey et le Steamboat qui me tiennent vraiment à cœur. Tous les autres, bah ça me ferait quand même plaisir de les avoir. Mais l'objectif principal, ça reste le même comme toutes les semaines et surtout pas comme la semaine dernière. On va croiser les doigts fortement pour ne pas avoir de double. On déblaye et c'est parti, on commence avec le premier booster du jour. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'ouverture facile. Je vais chercher mes ciseaux, je reviens. Voilà, ça va être mieux comme ça avec une bonne paire de ciseaux. Et du coup, c'est parti. On ouvre le premier booster. Et on croise les doigts pour un Mickey stylé. Le premier déjà, il est jamais décevant puisque c'est forcément un nouveau. Et il est coincé, mais c'est bon. J'ai réussi à le débloquer.
Attention, on a les petits petons de Mickey qui dépassent, mais j'avoue que là, ça ne me donne pas vraiment d'indice sur quelle tenue c'est. Mais c'est parti, mesdames et messieurs, il s'agit pour le premier booster de Mickey en mode circus, là, j'ai l'impression. Oh non! C'est le secret! Oh! Je suis contente, je suis trop contente! Alors, je pourrais pas vous dire à quoi il correspond. Oh, il ressemble quand même beaucoup à lui, hein. Attendez, ça se trouve, je me fais un... Ah non, non, c'est bon, hein. J'étais en train de me dire, je me faisais une illusion, mais non, il se ressemble beaucoup, mais là, la plume, elle est un petit peu moins courbée. Et surtout, regardez, la tenue n'est pas la même. Là, il a une petite salopette rouge, alors que sur le petit tailleur, il a une salopette bleue. Et du coup, ça correspond à la secrète! Merci, Dieu des ouvertures! Tu as entendu nos prières que j'ai faites toute la semaine par rapport à l'ouverture de dimanche dernier. Incroyable, on commence direct avec la petite secrète. Et au début, je croyais qu'on avait lui parce qu'il avait des bretelles et tout, mais... Oh là là, c'est l'ouverture du brain, hein. À chaque fois, là, je fais des plot twists incroyables dans mon cerveau. Je sais pas si je suis toute seule, mais entre la date d'anniversaire et ça, c'est génial. Bah du coup, secrète, parfait. On peut découvrir les petits détails de la tenue et vous allez me dire à quel court-métrage, quel dessin animé il correspond parce que là, bah je sais pas, j'ai pas la ref. Mais il ressemble beaucoup à celui que je voulais avoir du petit tailleur, donc ça me fait plaisir, il est mignon. Avec ses petits gants jaunes, là, on reconnaît les petits gants de Mickey. Il est très mignon. C'est super, ça pouvait pas mieux commencer. On enchaîne avec le deuxième booster, et puis j'ai envie de dire, si on a un double de celui-ci, ça serait tellement incroyable, vu que c'est une secrète, que ça me ferait plaisir quand même, et puis même, ça me paraît quand même assez improbable. Mais du coup, c'est parti, je touche le petit Mickey, là, on n'aura pas le petit carton blanc, parce que je touche déjà son oreille, là, je le sens, mais rien qu'en touchant l'oreille, je ne peux pas deviner de quel Mickey il s'agit, et, ah bah en fait, le carton, il vient avec. Moi, je touche l'oreille, là, vous voyez, elle est là. Oh, bah si, il y a le chapeau qui dépasse. Oh, oui, je viens de le voir à l'instant. Le petit chapeau de Steamboat Willy, oh il est trop mignon, ils lui ont fait la petite roue là sur son... Bah devant lui en fait, j'allais dire sur son caleçon mais non. C'est comme s'il tenait la roue du bateau et oh il est trop beau, j'adore. J'aime trop la position qu'ils lui ont mise là, ils ont tous la même en fait, j'avais pas fait attention mais ils sont trop choux. Et on a le Steamboat Willy que je voulais trop, ça me fait plaisir. Il est beau hein, il est très très beau en noir et blanc comme ça. Version old de Mickey, c'est génial. Il est très très beau ce premier Mickey qui rend hommage au premier court-métrage Disney, enfin pas Disney mais de Mickey, vous avez compris, bref. On est plutôt bien là, on est plutôt très très bien. Si on a le Mickey classique dans ce booster, bah là c'est bon hein. Je sais pas ce que je fais mais je fais une dinguerie, ça serait trop beau pour être vrai. Mais ne jamais dire jamais, attention, on a tellement pas eu de chance la semaine dernière que là, ça se répercute sur l'ouverture du jour et on peut toujours espérer. Il est bien caché celui-ci, on ne voit rien qui dépasse, pas une oreille, pas un chapeau, pas un bout de caleçon. Et on va le découvrir tout de suite, le troisième Mickey en porte-clés de cette ouverture, il s'agit, mesdames et messieurs, de... Oh, non, attendez. Attendez. Ah, là, c'est l'autre. Je regarde les chapeaux et quand même, les chapeaux, ils se ressemblent beaucoup, hein. Même si là, la plume est quand même plus détaillée, elle est bien jolie. Et c'est un autre de celui que j'avais dit que je voulais, même si il passait après le classique Mickey et le Steamboat, je voulais celui-là, puisque ça me parle et que je sais que j'ai déjà vu Mickey et le petit tailleur, là. Oh, il est trop chou. Regardez, il a une petite besace, là, accrochée autour de sa taille. Oh, il est trop mignon, avec son chapeau de Peter Pan, même si c'est pas du tout un chapeau de Peter Pan, c'est comme ça que je l'appelle. Et même sur la plume, ils ont fait des petits détails et tout. Oh, ils sont déter. Ils sont déter sur ce petit Mickey, il est incroyable. Il est trop beau, j'adore. Je touche du bois, mais pour l'instant, l'ouverture, elle est incroyable, elle est parfaite. Il ne me manque plus que mon Mickey classique et je suis refaite pour un mois. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi dans les prochaines ouvertures, je serai contente. Bref, il nous reste deux boosters, les amis, pour créer l'exploit. On va commencer par celui-ci. Je sens qu'il y a un Mickey classique là-dedans. Alors, celui-là, là, je trouve trop mignon celui-ci avec sa petite tenue de chef d'orchestre. Ou lui, ou enfin, n'importe lequel, un nouveau. Oh, il est noir et blanc. Est-ce que c'est un double ? Aïe 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 aïe, c'est un double. Je suis allée vite sur celui-ci. Ça aurait pu être l'autre Mickey là, celui-ci, qui est très mignon ma foi, avec son petit smoking, ça aurait été grave cool. Mais non, c'est un double de Mickey Steamboat. Bon écoutez, c'est pas grave, il est chou quand même. Je préfère avoir lui en double à la limite que un autre un petit peu moins connu. Celui-ci je l'adore, donc ça me fait plaisir quand même. Je l'offrirai à ma mère, elle sera contente. Maman, si tu regardes cette vidéo et que tu veux Mickey Steamboat pour mettre sur tes clés, ben il est à toi, voilà. Ça me fait plaisir. Et allez, il nous reste du coup le dernier booster. On mise tout sur toi mon pote là, je veux te voir dans ce booster. C'est parti. Le suspense est intense mesdames et messieurs. Attendez, je vais faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse pour pas se spoil. Hop, c'est bon. Il est bien caché, il a l'air gros là, regardez l'épaisseur du bordel. Il a l'air fat, il a des petits pieds jaunes et... Il s'agit de... Ah non! Attendez, c'est la secrète qu'on a eu en double, mais c'est incroyable! Oh, c'est quoi cette ouverture les gars? C'est quoi cette ouverture, wesh? Oh my god. Bah écoutez,
Je l'ai dit, je serais contente même si on a cette double là, puisque c'est une secrète qu'on a eu deux fois. C'est génial les amis. Et puis bah on a quand même eu le petit tailleur et Steamboat Willie. Au final ça nous fait trois petits Mickey différents, ils sont vraiment trop choux. Je misais pas grand chose sur ces boosters comme ça d'extérieur, c'est pas ceux qui me plaisaient le plus. Et finalement je suis pas déçue parce que bah ils sont vraiment cute quoi, c'est des petites figurines trop mignonnes. Je ne m'attendais à rien et je ne suis pas déçue. Bah écoutez voilà les amis, c'est tout pour l'ouverture du jour avec ces petits boosters de Mickey figural backclip. Bon on les voit pas très bien parce qu'ils tiennent pas debout mais l'essentiel est là, c'est trois petits personnages et deux secrètes, c'est ce qu'il faut retenir. C'est incroyable, très très belle ouverture, je suis contente. Perso j'ai quand même un petit coup de cœur pour le Mickey Steamboat Willie, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre Mickey préféré. Comme d'habitude on pense au petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.